Bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Final Fantasy VII, oui! J'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi j'ai la super forme. Après un super accéléré que je vous avais fait pour l'épisode dernier, j'espère qu'il vous aura plu, moi il m'a énormément plu à monter. J'aime beaucoup faire les accélérés, je trouve ça très marrant. Bref, donc on devait s'infiltrer... dans la tour Shinra, pour ceux qui ont suivi, pour sauver Iris. Et j'ai pas joué au jeu depuis la dernière fois, donc on va quand même donner quelques éthers à Mademoiselle pour qu'elle nous soigne. Alors Cloud, il a pas besoin. Oui, Cloud, elle a pas besoin. Je suis encore sur l'épisode dernier, moi. Bref, on va pouvoir continuer notre petite aventure. Finalement, nous y sommes. Je vais être RP là. Non, plus jamais ça. Je ne veux plus voir d'escalier pendant le restant de mes jours. Mais quand il ira dans une maison de retraite, il prendra une maison de retraite à plat pied. À pied plat, pardon. Bref. Ouf, pouf. C'est vraiment crevant. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Nous ferions mieux de bien nous tenir prêts. Ok. Ah, excusez-moi, j'ai un petit truc dans la gorge. J'arrive pas à l'enlever. Alors, la Shinra, et y a rien d'autre, et ben on va aller taper de la Shinra, qu'est-ce que vous en dites? Moi je dis c'est un bon plan, mince j'ai pas lancé le chrono, bravo, éliminons les intrus, bravo, j'ai pas lancé le chrono, du coup vous aurez 2 ou 3 minutes de plus, voilà. Alors, on avait Barrette en coup limite, il a pris souffle la dernière fois, que je vous avais pas montré. Et bah du coup je vous le montre. Voilà. On va voir si ça le tue. Si ça le tue pas. Ah oui, c'est un truc pour les MP. En fait, souffle fait pas perdre de la vie, mais des MP, j'avais oublié. J'avais oublié. Ouh. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont deux formes, si on peut dire. Ils ont la forme rouge, qui est la grosse armure, et ils ont la petite forme grise, qui est plus faible, je crois. Si je dis pas de bêtises, normalement... Normalement... Ouais, c'est bon, il est mort. Ces ennemis sont très très chauds, hein. Faut... Je suis bien content d'avoir XP, en fait, parce que j'ai un bon level pour leur casser la tête. Donc, La Tifa, elle en fait plein des coups critiques. Il se passe quoi, Tifa? Ok. Bon, on va continuer à taper sur tout le monde, hein. Ok, il vient de perdre sa dernière barrière rouge. Enfin, c'est une armure rouge. On va appeler ça une armure, hein. Je sais pas si c'est vraiment une armure, mais on va dire que c'est une armure. On va dire que c'est une armure. Ok, on a gagné. Non sans mal, hein, parce que on a quand même pris vachement cher. On a gagné 150 XP, c'est pas mal. Un calmant. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Élément clé, carte 60. Ah, on va pouvoir aller jusqu'à l'étage 60. Alors, parce que la Shinra est en fait composée en plusieurs étages. Donc, jusqu'à l'étage 59, tout le monde peut y accéder à la Shinra. De 60 à 65, il y a juste des membres, genre les membres du soldat qui peuvent. Et 65 à 69, voilà, jusqu'à 69, il n'y a que le directeur, les gens haut placés, le directeur, le scientifique Ojo, enfin tous ces gens-là. Voici du sérieux, ne baisse pas ta garde. J'espère qu'Iris va bien. Ah non, me dites pas que c'est ce que je crois. Ok, monsieur, il dort.
On est donc à étage 60. Oh my god. C'est bien ce que je pense. Bon. Alors, regardez-moi ça. Tous ces gardes qui courent dans tous les sens. Passe devant et préviens-nous quand la voie sera libre. Oh putain. On va attendre. Ok, eux c'est facile pour le moment, mais attends qu'il y ait... Oh putain, non! Oh, oh, oh la chance! Oh la chance! Oh la chance. Oh là là. Alors là par contre. Ouf. Oh. Ah ouais non mais là ça va être trop chaud. Oh. On a failli trop se faire repérer quoi, c'est. Oh là là, quel timing, quel timing. On va attendre qu'ils partent, voilà. Oh mon dieu, j'ai réussi. Vous imaginez que ça, quand je l'ai fait tout seul, j'ai pas réussi du tout. N'oublie pas, nous sommes ici pour sauver Iris. Je sais. J'avais vraiment pas réussi. J'avais essayé deux ou trois fois et j'avais pas réussi du tout. Je suis juste trop fier de vous avoir montré que j'ai réussi. Alors, ici je crois qu'il y a une carte à récupérer. Je ne me souviens pas de t'avoir déjà vu. Tu es nouveau ici? Dis, tu es sympa toi. Tu veux que je t'apprenne. Je vais t'apprendre quelques trucs. Ne fais donc pas cette tête là. J'allais simplement te montrer comment atteindre l'étage suivant. Les personnes au sommet de la hiérarchie dans la société travaillent au-dessus du 60e étage. Donc là, on était au 60e. Du coup, on est au 61e ici. Mais tu ne peux pas y parvenir sans carte d'accès. Procure-toi une carte d'accès. Tu pourras l'utiliser en toute sécurité. D'accord. Souviens-toi simplement qu'il existe différents types de cartes, une seule carte, nanana. Par exemple, jusqu'au 60, carte 65 t'emmène seulement jusqu'au 65e étage. C'est un système de sécurité après tout, nanana. Oh, genre, non, ok. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas quelqu'un qui nous donne une carte. Le salon se trouve à cet étage au-dessus. Au-dessus, ouais. Alors, le salon se trouve à cet étage. À cet étage. Au-dessus, ce sont les étages réservés aux gros pontes de la société. C'est dur de travailler sous les ordres de quelqu'un, ça crève. Qu'est-ce qui la retient? Elle a oublié sa carte d'accès? Même les employés ne peuvent pas se balader au-dessus du 60e étage sans carte d'accès. Alors moi je dis on va monter. Je sais pas, je le sens. Je le sens qu'il est important de monter. Alors, rien. 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 Et là, un coffre, mais on peut pas l'ouvrir. Fermé à clé, effectivement. 66. Ouais, bon, après, de toute façon, on va pas monter plus haut. Ça ne sert à rien. Donc, on va devoir trouver une carte qui est à l'étage 61. 62. Voilà. Et 61, voilà. Et il va falloir trouver cette carte. Alors, on va parler à tous ces gens. Toi, je t'ai déjà parlé. Tu dis que ta copine a perdu sa carte. J'ai cru entendre du KU en bas, il y a une minute. Tu sais ce qui se passe? Aucune idée, mais pas la peine de s'en faire, car tout ce qui se trouve au-dessus du 60e étage est en sécurité. Alors, c'est même pas vrai, puisque j'ai pas fait un seul bruit. Bande de menteuses. Est-ce que si je lui dis...
Oh, je suis pressé. Oh, c'est dommage. Ok. Finalement, non. Toi, tu ne nous apprends rien. Qu'est-ce qu'il a retient à oublier sa carte d'accès, même un employé. Ok, c'est peut-être toi, en fait, que j'ai pas parlé. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Ouais, Iris. Iris? Comment continue-tu? Tu dois être... Iris? Tu veux dire cette gosse, la réceptionniste? Oui, je commence à m'inquiéter à son sujet. Alors comme ça, un autre rival fait son apparition, hein? Tu veux dire, ce n'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre? Ok. Mate qui se pète un câble, lui, tout seul. Y a rien ici. Alors comment on monte? Toi, qu'est-ce que... Non, bah non. Alors, on va aller voir dans les ascenseurs, on sait jamais. Bah non. Alors. Petite ellipse, je reviens. Ok, re tout le monde, j'ai trouvé, c'est... Pardon, excusez-moi, je retire la souris. J'ai trouvé, en fait, c'est celui à qui on est dit où est Iris. Voilà, il faut en fait lui donner la deuxième réponse. Celui qu'on appelle Shinra Inc. Service de réparation. Tu sais, on dirait que cet immeuble commence à partir en membre. Cette porte ne ferme plus. Tu devrais la réparer tout de suite. Oh oui, et jette aussi un coup d'œil aux autres. Tiens, prends ça. Carte 62. Voilà, on peut monter jusqu'au 62e étage. Donc on va aller ici. Non, mais non, pourquoi t'es... Ok, vu que j'ai pas quitté l'escalier, pardon. Voilà. On va faire ça et boum. Voilà. Alors, ensuite, ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? Oh putain, il y a un mini-jeu avec lui, je me souviens. Et toi, qui es-tu? Vous êtes probablement ceux qui... moi, je suis Domino, le maire de Midgar. En fait, je ne porte que le titre de maire. La ville est en fait entre les mains de la compagnie Shinra. Mon boulot ne consiste en fait qu'à garder les documents de la Shinra. Moi, le maire, un bibliothécaire. Tu veux monter là-haut, si tu arrives à deviner mon mot de passe, je te donne ma carte d'accès. Alors, quel est le mot de passe? Alors, je n'en ai aucune idée. Je pense qu'il y a un moyen de le savoir. Du coup, je vais... Alors, hop. Alors, attendez juste quelques secondes. Voilà. Je pense qu'il y a un moyen de connaître le mot de passe. Peut-être en... Mince, j'ai Facebook qui reste allumé. Excusez-moi. Voilà. Hop. Alors, Final Fantasy... Final Fantasy 7, ici. Voilà. Et je crois que le mot de passe, c'est Mako. Je dis peut-être une bêtise, attention, mais je crois que c'est Mako, le mot de passe. Alors... Hop. Je fais plein de caca, là. C'est pas possible. Hop. Alors, allez. Dépêche-toi, téléphone, de me charger tout ça. Hop. De toute façon, là, on va commencer à entrer dans la partie où j'ai besoin des solus. Parce que je suis trop nul. Alors. Voilà, c'est bien ça. C'est Mako, en fait, le mot de passe. Hop. On peut reprendre le chrono. Mako! Que j'aime entendre ce mot. Mako! Si j'en avais davantage, je serais vraiment le maire. Bon, d'accord, tiens, prends-la. Carte 65. Je n'aurais jamais cru que tu l'aurais du premier coup. Ça te montre qu'on peut pas juger un livre à sa couverture. Bien, une promesse, c'est une promesse. Prends ça aussi. Materia, élite base. Tu me demandes pourquoi je fais ça? Pour les embêter, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai tous traités durement. Monte là-haut et fais-les vraiment souffrir. Alors, on a obtenu une materia. On va la mettre à machin. Je n'ai. Mince. Je sais pas en fait comment ça marche ces materia. Enfin, comment on peut apprendre. Liste des pouvoirs. Élément base, je pense. Bon.
Bah, on va continuer. Donc maintenant, on peut monter jusqu'au 65e étage. Donc on va passer par le 63, puis le 64, puis le 65, hein, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Hop, donc 63, il y a des objets à gagner. Alors, hop. Drink, vérification de la carte d'accès. Employé niveau B, tout. Attention, évite d'entrer imprudemment dans les conduits d'air conditionnés. Ils peuvent s'avérer très dangereux. D'accord. Alors, non. Ah ! Drink, ouvre la porte, oui. Bon, bah, de toute façon, je peux aller que par là. Donc, enfin. Drink, ouvre la porte, oui. Élément clé, coupon B. Bon. On va le prendre, hein. Je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Coupon B, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Non, je rigole. Hop. Drink, écoutez, échanger un coupon. Coupon A, 4 orifices, matéria, tout. Allez. Échange de coupon terminé, 4 orifices. Alors, c'est quoi 4 orifices? Ah, c'est un objet. Ah, c'est peut-être un... Non. Ah bah, ça doit être ça. On perd de la défense, on perd beaucoup de défense magique. Ouais, alors non, pour le moment on va rester comme ça. On va juste monter à l'étage 64. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons à faire ici? Alors déjà, il y a un point de sauvegarde, c'est une bonne chose. Ok, bah, il y a rien à faire, j'ai l'impression. Ah si, on peut peut-être se reposer... ici. Ouais, c'est ça, on peut se reposer. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, on puisse dormir pour régénérer toute notre vie et tout, c'est bien. J'adore cette musique, enfin, au bout d'un moment elle devient casse-couille, mais normalement elle est bien. Donc on va monter à l'étage 65. Alors, à l'étage 65, tout on peut pas t'ouvrir, fermé à clé. Alors, est-ce qu'il y aurait pas un coffre? Ouais, ça c'est Midgar, mais il manque plein mal de pièces. Donc il faut trouver un coffre qui puisse s'ouvrir. Non, fermé à clé. Il faut trouver un coffre qui est seul déjà. Comme celui en haut. Oula! Ah oui, il y a des monstres. Ok. Ok, il y a du people. Ah oui, il y a l'air d'y avoir du sacré lourd. Ouh, ça va faire mal. Oh, en fait, non, ça va pas faire mal. Pardon, je pensais que ça ferait mal, mais... Mouais. Ok. Donc, comme je disais, ce... Mince. Il n'y a pas d'autre coffre? Il est fermé à clé? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que... Il n'y a pas de... Là-bas, il n'y a pas de coffre? Bah non. Donc, il doit certainement être... Soit lui, fermé à clé. Oui! Voilà. Alors... Alors, je crois qu'ils s'ouvrent les uns après les autres. Hein. Une maquette de Midgar. Ah oui. Maintenant, faut trouver où ils sont. Ah non, c'est bon.
On dirait que quelque chose s'est ouvert. Voilà. Un autre coffre s'est ouvert. Alors ça m'étonnerait que ce soit celui-là, mais... Ah bah si. Ah, je suis content parce que sur cette énigme, j'y avais galéré pendant plusieurs heures. Je me souviens que je m'étais aidé de jeuxvideo.com, mais que leur soliste, elle était un peu chelou, hein, parce qu'il me disait que c'était l'étage 64, alors qu'on est déjà à l'étage 65. Enfin, c'était assez chelou. Et je suis content de l'avoir réussi avec vous. Puis en plus, j'ai pas trop galéré, donc ça va. Alors, graines de fou. Ouh, grand fou. Alors, allons ici. Une maquette, nana, qui refoule. Il manque certaines pièces. Placez les secteurs Midgard. Voilà. Maintenant, je pense que c'est en haut à droite que ça s'est ouvert. Hop. Voilà. Trop fort. Vous avez vu ça? Alors. D'ailleurs, là, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 secteurs. Mais on peut presque dire qu'il y en a 9. Hein, parce que... Parce que oui, la tour, c'est à elle-même, c'est un secteur, hein, on va dire. Alors, toi, t'as brillé beaucoup. Voilà. Ça se sent, les amis, ça se sent. Et puis voilà, hein, si ça se sent, effectivement. Voilà. Alors, une maquette, nanana. On dirait que quelque chose s'est ouvert. Non. Heureusement que t'es là, Claude. Ça fait 6 fois qu'on le fait, mais bon. En plus, ça fait que 5. Élément clé, secteur Midgard. Alors, j'espère que vous entendrez pas la pluie. Bon, normalement, non. Après, si vous entendez la pluie, bah, désolé. Vive la Bretagne. Hein. C'est comme ça. D'ailleurs, en parlant de Bretagne, faut que j'aille voir. Peut-être que... Faut que j'aille voir parce que j'irai peut-être à la convention de Nantes. Pour ceux qui connaissent, il y a une convention à Nantes. Et je me tâte à y aller. Hein. Très franchement, je me tâte vraiment à y aller. Parce que déjà, est-ce que j'en aurai? Mais t'es sérieux, Barrette? Bref. Je me tâte vraiment à y aller. Après, je me dis pourquoi pas. Hein, c'est vrai que aller à une convention, je l'ai jamais fait. Et mon barrette était un peu buggé. Hein. Et pourquoi pas. Donc pour ceux qui sont intéressés, je me ferai sûrement une petite vidéo où je dirais que je vais à la. Je sais plus. C'est une convention à Nantes. Faut que j'aille voir quand est-ce que c'est en fait. Ah, il reste. Donc on va aller à l'étage 66 parce que monsieur il a pas voulu ouais, on va se cacher dans les toilettes. Ouais, c'est ça. Hop. Tirer la chasse, grimper. Hop. Yes. Bien joué, Cloud. Oh oh. Nous avons une estimation des dégâts subis dans le secteur 7. Compte tenu de toutes les usines déjà implantées, de tous les investissements, les dégâts sont estimés à environ 10 milliards de gels. Putain. Le coût estimé pour reconstruire le secteur 7 est de... Nous n'allons pas reconstruire. Quoi? Nous allons laisser le secteur 7 tel quel. Entreprendre le plan Néo-Midgard. Et les anciens? La terre promise sera bientôt à nous.
je veux que vous augmentiez la production de Mako de 15% dans chaque zone. Hausse de production, tra-la-la-la-la, et veuillez inclure notre programme spatial au budget. Oui! Reeve et Scarlett diviseront les recettes supplémentaires à partir de la hausse de production. Si tu augmentes la production, les gens vont perdre confiance. Tout se passera bien. Les citoyens ignorants ne vont pas perdre confiance. Ils continueront à croire en Shinra Inc. Incorporation. Après tout, c'est nous qui avons sauvé le secteur 7 d'avalanche. Ce sale... Ojo, comment va la fille? En tant que spécimen, elle est inférieure à sa mère. Je continue à la comparer à sa mère, Ifalna. Mais pour l'instant, la différence est de 18%. Combien de temps vont durer les recherches? Probablement 120 ans. Une vie humaine ne suffirait pas pour terminer ce travail, ni la vie d'un spécimen d'ailleurs. C'est pour cette raison que nous pensons l'élever. Alors nous pourrions en créer une capable de supporter nos recherches plus longtemps. Et la Terre promise ne va-t-elle pas retarder nos plans? Il faut que je prépare un plan. Ta mère est résistante, mais elle a aussi des faiblesses. Cette réunion est terminée. Tu vas voir si elle est terminée. On va te déchirer la tête, mec. Ça pue. Pardon, j'ai pété. Pardon, excusez-moi. Il parlait de Iris, non? Je ne sais pas. Probablement. Suivons-les. C'est parti. On descend. Allez, descend. D'accord. Ah, d'accord. Ok, pardon, excusez-moi. J'avais pas compris, il fallait les suivre comme ça. Ça fait très le retour en arrière, vous savez, quand... C'est dans un des épisodes où, des Simpsons où Homer, il tombe sur... Sur Apu et sa femme en train de s'embrasser et que... Et que il part en arrière comme il était venu en... Enfin, il part en arrière, c'est assez rigolo. Et puis il refait ça une fois ou deux. Mais allez, mais... Tu vas le perdre de vue, toi. Cloud, t'es mauvais. T'es mauvais, Cloud. Alors... Là, c'est la prison. Non, je rigole. Allez. Dépêche-toi, la porte va se fermer. Je me souviens de lui. C'est Ojo, il est responsable du département scientifique de Shinra. De Shinra. Claude, tu ne le connais pas? Bien sûr que si, il le connaît, mais. C'est la première fois que je vois. Alors voilà à quoi il ressemble. Alors. Aïe! Je viens de me taper. Pardon. Hop, on va... Oula. Cache-toi. Vite. Voilà. C'est les spécimens d'aujourd'hui? Oui, nous allons commencer tout de suite. Monte-le au niveau supérieur. Mon précieux spécimen... Pauvre bête. Précieux spécimen.
va-t-il être utilisé pour une expérience biologique? Biologiquement parlant, pardon. Genova. Oh. Oh gosh. Ah, c'est vrai qu'elle a plus de tête. C'est vrai qu'elle a plus. Non, c'est plus tard qu'elle a plus sa tête. Ah. Boum. Claude! Genova, c'est Féroce. Ils l'ont amené ici. Claude, courage. Tu l'as vu? Vu quoi? Il bouge. Il est encore en vie. Il est encore vivant. Où est sa tête? Tu se laisses stupide. Continuons. Ah, il a déjà perdu sa tête. Alors je dis, alors que ça doit être elle, enfin c'est une cellule, enfin c'est un... Bon, bref. Donc, elle a pu sa tête déjà. Pourtant, dans Crazy Score, c'est Féroce, quand il la prend, il lui arrache pas la tête. Oh, on apprendra peut-être plus tard pourquoi elle a plus de tête. Alors, ah bah un point de sauvegarde. Materia poison. Sachant qu'on doit être à plus de 30 minutes, puisque j'ai arrêté le chrono pour chercher une soluce pendant que je continue à filmer, que je vous ai repris au moins une ou deux minutes avant de lancer le chrono, je pense qu'on doit être à 30 minutes ou un petit peu plus. Donc je pense qu'on va se laisser là. Si c'est un petit peu moins, bah je suis désolé, hein, c'est un petit peu moins. J'espère que cet épisode, il n'empêche, vous aura plu. On commence à rentrer dans le vif du sujet, hein, beaucoup moins de paroles, beaucoup plus d'action, beaucoup plus de découvertes, beaucoup plus de questions. Qui est Genova? Qui est Sephiroth? Pourquoi Ojo a-t-il enlevé Iris? Non, ça on sait parce que c'est une ancienne. Elle fait partie des anciens. Pourquoi Iris nous a caché qu'elle était un ancien? Pourquoi Claude s'est senti mal quand il a vu Genova? Qui est l'animal qu'on a trouvé dans ce rond, hein, dans cette cage? Tellement de questions pour si peu de réponses, mes amis. Les prochains épisodes vont être importants, moi je vous le dis. Hein. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se dit à la prochaine et sur ce, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!